Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission Banque et Finance. Ben oui, quelquefois, il m'arrive de vouloir être sérieux. Évidemment, sérieux, c'est important. Pourquoi ? Cette nouvelle émission s'appelle Banque et Finance. On pense tout de suite au côté institutionnel, bancaire, les grands noms de la banque. Bien sûr, les asset managers, les hedgers, les grands financiers de ce monde, mais aussi les petits qui ne se montrent pas trop et qui font bouger les ficelles des marchés. Très important. Pourquoi ? Ben parce que si on prend un exemple tout bête, on s'aperçoit que l'un des vecteurs les plus importants pour faire bouger les marchés n'est plus forcément l'argent, mais Twitter. Donc on a besoin de faire un point sur tous ces vecteurs qui permettent de définir dans quel sens vont aller les marchés. Il y a le dessus de l'iceberg et le dessous de l'iceberg. Le dessus de l'iceberg, vous en avez partout sur YouTube, tout le monde en parle. Tout le monde le sait, il y a même des gens qui font du réchauffé. Nous, ce soir, on a décidé de vous parler du dessous de l'iceberg, de ce qui ne se dit pas forcément dans les grands médias, dans le grand public, mais surtout ce qui permet d'influencer les marchés financiers. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on va vous donner ce soir, on n'aura qu'un seul objectif, c'est celui de faire du forecast, donc de la prévision sur les marchés et leurs tendances à venir. On va parler commodities, on va parler Indice, c'est une émission unique en son genre. Avant de venir, je regardais une émission sur quelqu'un qui faisait l'analyse, encore une fois, des cours passés, alors que nous, on est plutôt dans le futur. Dans cette émission, vous verrez un ensemble d'éléments qui sont des facteurs déclenchants de tendance. C'est ce qui me plaît le plus, moi, dans mon métier, c'est de pouvoir prévoir à partir d'éléments comme, encore une fois, des prévisions court, moyen, long terme, des analyses démographiques ou même l'inflation, on va en parler beaucoup ce soir, le manque effectivement de récolte, le manque de matières premières, on va parler aussi de tout ce qui buzz sur la toile, on parlera un peu de crypto je crois, en tout cas pour tout ça j'ai un invité que je suis depuis quelques temps, qui est très jeune par rapport à moi bien évidemment, mais qui dispose d'un background suffisant pour véritablement montrer de son expérience, il a une analyse pertinente des marchés, il a compris qu'il fallait passer à autre chose qu'une simple moyenne mobile, analyser des marchés avec le bon sens, savoir que action c'est aussi réaction, analyser avec l'expérience, c'est ce qu'on va vous montrer ce soir. Vous êtes peu nombreux, est-ce que c'est dû à la journée ou est-ce que c'est dû à l'heure ? Je compte sur vous pour partager le lien, plus on sera nombreux et plus vous serez avertis. On laisse dans cette émission, en haut à droite, comme à l'habitude, la Winbar. La Winbar, c'est ce que fait Genius, l'algorithme Genius, en live. À ce sujet, je glisse quand même quelque chose d'important. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur mes réseaux, par email. Luc, que penses-tu des robots ? Les robots, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis clairement, les robots, pour moi, savent déjà ce qu'ils vont vous piquer. Je vous le dis, je vous ai envoyé un tweet la dernière fois où je vous expliquais quel était le paramétrage des brokers qu'utilisait MetaTrader. Il y en a très peu qui ont réagi. Pourquoi ? Ben parce que la plupart sont de simples moutons qui avancent dans la même direction, alors que là, le chien aboie. Eux continuent d'avancer, bien évidemment, dans la gueule du loup. Cessez, s'il vous plaît, de croire la nana toute gentille qui tourne en boucle sur YouTube, qui vous dit que c'est robot, c'est génial, que tu n'as rien à faire, tu restes sur ton fauteuil et tu attends que ça se passe. L'émission de ce soir est intelligente. N'oubliez pas, le seul qui réussit sur les marchés, c'est vous. Genius est l'outil d'aide à la décision le plus parfait qu'il soit. On vous en reparlera si vous le désirez. En tout cas, pour le moment, je vous invite simplement à consulter la Winbar avec les 10 000 euros de ce matin. Il y a effectivement beaucoup d'argent qui ont été faits puisqu'elle a réalisé 21%. En même temps, ce n'était pas très dur compte tenu de la descente des marchés, en particulier du Nasdaq, du SP. On pouvait le prévoir, oui. Comment ? C'est parti. On vous explique ça tout de suite.
et c'est normal, c'était attendu. Alors comment faire ce forecast? Comment l'expliquer? Bah sûrement en écoutant et en lisant ce que disent les grands de ce monde. Les grands, pas forcément par la taille, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont véritablement faciles à décrypter. Je vais tout de suite aller chercher Axel. Est-ce qu'Axel est avec moi? Est-ce qu'Axel est là? Axel, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Absolument, très bien. Le voilà, Axel. Quand il y en a un qui est en blouson noir, l'autre est en cravate. Ça, c'est formidable. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette nouvelle génération. Je suis très content que tu sois là, Axel, ce soir. Ah, on ne l'entend pas. Axel, est-ce que tu m'entends? Ouais, apparemment, c'est bon. On ne l'entend pas. Tu me confirmes qu'on ne l'entend pas? On ne l'entend pas. Je vais essayer de rappeler tout de suite Axel. Je vais essayer de rappeler tout de suite Axel de façon à le remettre avec nous dans la Genius. Voilà, on va le faire très vite maintenant. Ça ne devrait plus tarder. Axel, est-ce que Axel est avec nous? Encore quelques instants, on va aller chercher Axel. Et là, c'est tout bon pour vous? Voilà, a priori, c'est bon. Bonsoir Axel. Ben rebonsoir, je suis très content d'être là. Hein. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir avec nous, la nouvelle génération. Je le dis et je ne le flatte pas et c'est sincère, il poste, il a des réseaux, il poste en tout cas sur LinkedIn en particulier et j'aime beaucoup son analyse pragmatique. Il a des articles qu'il réalise qui sont très très bons. Pourquoi? Parce qu'on sent très bien qu'il a compris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. On préfère l'analyse pragmatique plutôt qu'à celle empirique ou voire même utopique. Ça, c'est clair. Axel, ce soir, tu vas nous balancer de l'info. C'est une émission cool. C'est pas une émission où on est autour d'une table avec la prise de tête politique. On est plutôt dans l'évidence. Nous, ce qu'on veut de toi, Axel, ce soir, si tu me le permets et me l'autorises, c'est que tu puisses nous livrer des choses qu'on ne lit pas partout, Axel. Par quoi on commence? Bah, je pensais attaquer avec un sujet d'actualité et un petit peu qui revêt un caractère viral. Je pense au tweet d'Elon Musk et au fait qu'il prenne Twitter pour un gérant d'actifs. Et c'est très intéressant. Ça exprime beaucoup le reflet de la société d'aujourd'hui et des nouveaux investisseurs. Je trouve ça très intéressant comme sujet. Alors, on va parler d'Elon Musk d'ici quelques secondes. Cette émission est une libre antenne. Si vous avez envie, vous pouvez argumenter dans le chat. Au contraire, c'est fait pour ça. On apprécierait énormément vous avoir, en tout cas, avec nous pour commenter cette actualité. Alors, Axel, tout de suite, le dernier tweet d'Elon Musk. T'en as pensé quoi et à qui il s'adressait et de quoi il parlait? Alors, je pense que c'est à mon sens, c'est à la fois une maladresse, mais en même temps, un énorme coup de com'. C'est très intéressant puisque aujourd'hui, si Elon Musk est aussi riche, c'est parce qu'il est poussé par les marchés, il est poussé par une euphorie. Et poster régulièrement des remarques sur Twitter lui permet de se rapprocher de la population. Et c'est cette population qui l'adule. Qui lui permet de valoriser son histoire et que son histoire, que la société Tesla ne soit plus une société commerciale comme une autre, mais marquée d'un fort intuitu personnel comme celui d'Elon Musk. Aujourd'hui, on n'achète plus des actions Tesla, on achète du Elon Musk et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça, c'est Musk, c'est plus Tesla, c'est Musk, c'est SpaceX, Tesla et les autres, mais c'est surtout du Musk. C'est ça, et avec ce tweet, il a donné, encore redonné du pouvoir. Lequel, Axel? Quel tweet? Dis-nous ce qu'il en est par rapport à ce tweet. C'est celui qui est en bas, c'est il ça? A fait un... C'est ça. Il a posté un tweet, un sondage, dans lequel il a demandé à la communauté Twitter de voter. Ah oui, énorme. De voter s'il si, devait revendre 10% de ses actions Tesla. Donc, il faut, pour rappel, il possède environ 17% des capitaux. La société Tesla, c'est un des plus gros actionnaires parmi les plus grandes sociétés du monde. Même Jeff Bezos n'en a plus autant, il en a avoir 8%. Donc ça représente un sacré paquet de titres. Et après cette annonce, le titre a perdu 7% en pré-marché
à son pic. Et aujourd'hui, on en paye encore. Vous avez vu la cote de Tesla aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. Alors, moi, je vais te dire un truc en étant sincère. Nous, on l'a vu ce tweet et on l'a analysé d'une manière très claire. Alors, avant de te dire comment moi, je l'ai analysé, je voudrais avoir ton point de vue, Axel, parce que on sait que ce Musk, c'est quand même le roi incontesté du délit d'initié quasi hypocrite quand même, hein, on est clair. Il aurait jamais posté ça sans avoir une idée derrière la tête et pas celle de l'altruisme. Faut pas rêver. Alors, à quoi il pense d'après toi, Axel ? Je pense encore une fois que c'est un coup de communication. C'est pas pour des raisons économiques que Goldman Sachs, il me semble que c'est Goldman Sachs, ont pensé que Elon Musk pouvait atteindre le trilliard de dollars de fortune personnelle dans les années à venir. Je pense que c'est avant tout un coup de com, et c'est beaucoup plus simple de soutenir quelqu'un qu'on sympathise, enfin qui nous paraît sympathique, comme de la politique, que quelqu'un qui est loin, comme peut-être Jeff Bezos ou peut-être Bernard Arnault. Aujourd'hui, il est en train de capitaliser sur son capital sympathie, et je pense que c'est quelque chose, c'est la nouvelle arme du 21e siècle, puisqu'on est dans une société où on a l'info très vite, et tout le monde est au courant que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, pense aux autres, redistribue. Donc pour toi, c'est la bonté. Et même soucieux de payer ses impôts. Donc voilà. Alors, non, ça... c'est de la communication. C'est, ouais. C'est du long terme. Mais son tweet, ça veut dire je pense à vous, je m'ouvre aux autres, je sors de ma pression du board, parce qu'avec 7%, il n'aura pas autant effectivement de power sur le board. Je vous livre 10% de Tesla. Alors, c'est ce que tu nous dis, Axel, je me trompe pas. Non, je pense que c'est un coup de communication pour ses projets futurs. Vous voyez, il s'éparpille de partout et il a besoin d'être soutenu. C'est une question de croissance long terme pour moi, en tout cas, d'un point de vue stratégique, je pense que c'est ça. Et c'est pas pour rien également qu'on peut voir sur différents sites que, il me semble que c'est son frère qui a vendu une grosse partie de ses actions le 5 novembre. Il est passé d'un insider, absolument. Tout à fait, son frère a vendu beaucoup d'actions. Alors, moi je voudrais au moment, merci beaucoup d'avoir relevé cette information parce que c'est le gros buzz du moment et bravo Axel pour l'avoir tilté. Je voudrais avoir votre point de vue dans le chat. D'après vous, pourquoi Elon Musk fait preuve d'autant de gratitude, de bonté en libérant 10% de son portefeuille de Tesla ? Dites-nous s'il vous plaît ce que vous en pensez. Alors, ce débat est contradictoire et d'ailleurs pour être très intègre et très transparent, avec vous, la question de tout à l'heure d'Alex, c'était de me dire « Luc, est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi ?» Et je lui dis « Au contraire, on est dans cette émission pour ça. » Et moi, je vais vous donner mon point de vue. C'est un petit peu autre chose. J'analyse Musk un petit peu différemment. On peut le croire pour quelqu'un effectivement de bon, de gentil, d'altruiste. Moi, je pense que Musk est avide d'argent. Je pense que c'est un cupide. Je pense que c'est quelqu'un qui aime l'argent comme il n'aimerait jamais quelqu'un ou quelque chose. Je pense aussi que s'il doit aider quelqu'un, ça ne sera pas ceux qui le suivent, mais ça sera effectivement son entourage proche, sa famille. Et quand on pense qu'au pognon et qu'on dit qu'on va libérer 10%, écoute bien Axel, tu as deux manières de le faire. Soit tu l'annonces dans l'insider, attention le frangin, il y a quelques jours, a déjà libéré une grosse partie du portefeuille, soit effectivement tu le fais de manière subtile et habile, au même titre quand il poste un tweet avec une fusée et un rabbit, un lapin ou un chien Shiba, il sait le faire, c'est pas un problème. Mais si jamais Musk a effectivement tweeté de cette chose-là, la raison est simple à mes yeux. Comment libérer 10% du montant de effectivement total de son portefeuille sans éveiller le soupçon? On sait que la rumeur est suicidaire sur les marchés financiers. Pour moi, Musk sait que le marché va se retourner. Il sait qu'il a besoin de trésorerie, de liquidité. Il sait que si jamais il passe un jour avec, comme aujourd'hui, une descente de 1% du Nasdaq, il sait qu'il va perdre des milliards. Il sait aussi que Tesla, après tout, ça reste un beau projet, mais il a déjà la vision non plus de l'automobile, mais plutôt que de la fusée. Alors pour moi, pour faire simple, et là, je t'écouterai là-dessus, Axel, c'est un beau coup de maître, encore un coup de génie. Il veut libérer son portefeuille pour pouvoir récupérer du cash, l'investir ailleurs, sauf qu'il le fait de manière presque en iceberg, tu sais, un peu on se croirait presque sur le Nasdaq, on envoie de l'iceberg, c'est-à-dire que sur le dessus on laisse un petit coup pour le frangin, mais en dessous on charge, on libère 10%, mais personne ne
s'affole, bien au contraire, c'est Twitos achète le Tesla que lui libère. Il fait un coup double. Un, il passe au travers de la SEC. Deux, il trouve de la contrepartie. What else? Oui, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que j'ai pas observé les, je me suis pas questionné sur les aspects purement financiers, purement wealth. Je pensais plus long terme, comme vous disiez, il va réinvestir son argent et ses liquidités qui sont quand même non négligeables dans d'autres projets. Il a besoin aujourd'hui de ce cash, il est bloqué, c'est de la plus-value latente. Et quoi de mieux que de faire parler, profiter de ce mouvement pour s'attirer la sympathie du public. Moi, c'était vraiment à ça que je pensais initialement. Et en tout cas, c'est un beau coup, puisque d'un autre côté, il libère son cash et en même temps, il renforce l'ascendant qu'il a sur Jeff Bezos, qui lui est le roi de la... Bon, dans l'imaginaire collectif, le roi de l'évasion fiscale, qui ne paye pas d'impôts. Et lui, il se dit, je vais libérer mon cash pour payer des impôts, car nous, les riches, nous ne payons pas assez d'impôts. Alors attends, parce que là, Axel, tu me surprends. Sa gigafactory et son domicile à Musk, tu sais où il se trouve? Aucune idée, je peux renseigner à ce sujet. Il est au Texas, Mister. Il est parti au Texas, Musk. Et au Texas... Pour des questions fiscales... Oui, 0% d'impôts, le Texas. Et il a tapé dans la main à l'époque de Trump où il disait « J'aime, I love the Texas, I love the cow, j'adore les vaches ». Et effectivement, il se retrouve dans un paradis fiscal tout en restant aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement ça. Et puis une chose encore, Axel, il faut savoir que la dernière fois où il a tweeté comme ça, où il a fait le beau et le dos rond en faisant croire qu'il faisait plaisir à tout le monde, je me rappelle très bien, c'est au moment où il a dit qu'il pourrait effectivement, que nous pourrions, pardon, acheter ses voitures en bitcoin. T'as vu le dégât? Le mec a pris 1 milliard, il libère sa position et derrière, il secoue les portefeuilles de monsieur et madame Durand. Je suis pas sûr que le mec soit un vrai altruisme au bout du compte. Par contre, c'est un ingénieur de folie. C'est un mec qui, tout ce qui touche, se transforme en or. C'est en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, il joue avec une politique, un fonctionnement qui est relativement précis, puisqu'il il se fait aduler. Hein. Le mec est adulé. On ne peut même pas lui reprocher quoi que ce soit. Même quand il plombe le marché d'un milliard, on l'aime, mais on s'est quand même fait bien enfumer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais bon, les gens vont se rappeler uniquement de... C'est vos tweets et pas des mauvais moments. Absolument. Alors toi, Axel, le Nasdaq, Tesla, alors on sait qu'il l'a splitté, elle a déjà été splittée par 3, il me semble, de mémoire. On fait quoi de cette valeur? Est-ce qu'on suit le mec ou plutôt on se dit ça sent mauvais et tout risque de se retourner? Parce que les 1% en étant honnête, et tous les genius qui sont avec moi ce soir peuvent en témoigner, moi depuis que le mec a tweeté, tu penses bien que j'étais sales à fond, mais alors à fond, j'étais oui. Sales, mais alors à fond, j'ai à fond. Et tout ce qui montait, j'en voulais pas. Et tout ce qui descendait, on se l'est attrapé. Toi, Axel, quelle est ton analyse alors? Déjà, il y a une bonne partie de la descente qui s'est faite, mais je pense qu'on peut aller bien, bien plus bas. Mais il va falloir un petit peu d'aide du marché global pour pousser. Je pense que dans un marché plus baissier, on aura l'occasion d'assister à un Nasdaq qui fera moins 2% et un Tesla qui fera moins 15%. Je pense juste que il prendra les coups beaucoup plus violemment que les autres. Tu sais, je reste vendeur en tout cas. Voilà, je suis d'accord avec toi, on peut carrément descendre à la moitié du prix actuel, on est au-dessus de 1000 balles, on peut largement atteindre les 600, les 500 balles sans aucun problème. Et le mec en plus n'aura même pas mal. Donc il devra, par contre, tu le sais toi-même, Axel, il devra trouver de la contrepartie. On ne vend rien sans être certain qu'on trouve en face quelque chose ou quelqu'un. Et c'est vrai que quand tu n'as personne, tu t'amuses pas à balancer ce genre de tweet. Et bien au contraire, tu attends de trouver du people. Une fois que tu as effectivement la contrepartie, ce qu'on appelle le collatéral, tu peux dégager tes opérations et au moins... T'es tranquille. Bravo pour avoir détecté cette actualité. On a fait le tour ou tu veux rajouter quelque chose sur Musk? je tiens à préciser que Jeffrey n'ont pas changé leur cible, qui est toujours à 1 400 $ malgré la news. Donc, 1 400 $. Maybe. 1 400 $ INT. Maybe. Peut-être que la petite poussée acheteuse, effectivement, de l'engouement de tous ces gens qui se disent « Chouette, les institutionnels comprendront, on a du papier sur le marché, ce qui veut dire qu'on peut attraper
et acheter, alors qu'en définitive, le cours risque simplement de tomber. Mais lui fait sa réallocation d'actifs sans aucun problème et sans avoir de compte à rendre. Et ça, c'est assez fabuleux. Merci pour cette actualité, Axel. Qu'est-ce qu'on fait en suivant ? De quoi on parle ? J'ai lu un article intéressant sur la crise des engrais. Et nous ne pouvons savoir que les engrais nourrissent la plupart des matières premières et qu'on est dans une crise, en début de crise des matières premières, on a des prix qui explosent. La chimie et, La chimie ou le naturel ? La chimie. Alors la chimie, les grosses boîtes en chimie cotées en bourse, on les connaît. Oui, alors j'ai plus tous les noms, mais on a du Monsanto. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Monsanto, effectivement. J'ai eu un doute. Mais oui, et on a des notamment au pays du café au Brésil, on a quand même 50% des commandes qui ont été payées il y a 5 mois, qui n'ont pas été livrées. Mais pas livrées, voilà. Donc c'est quand même super intéressant de se rendre compte qu'on a un problème, encore une fois, de supply chain et puis aussi de production. Et la principale conséquence se retrouve sur les cours et bien sûr qui paye au final, vu qu'on est quand même sur un marché qui est réel, qui a des conséquences sur la vie des gens, c'est ça se répercute sur les prix à la consommation. Alors sur la matière première ou plutôt sur donc tu nous parles là de commodities, donc de marché en fait futur, comme par exemple sur le café, un café qui risque d'exploser. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, et puis les cours sont déjà élancés. On a quand même le prix, tous les prix ont explosé depuis le début de l'année. On a déjà 30% sur les 12 derniers mois, ce qui est énorme, c'est le record depuis les 10 dernières années. Le blé, ouais. Le café, tu penses à quoi d'autre ? Le maïs, l'avoine, le riz. Le riz, absolument. Et on a pour traquer cette évolution, on a le Bloomberg Grain Spot Subindex, qui est super intéressant, et il nous permet d'assister en direct à l'évolution de ces cours. On a 4% le mois dernier et 32% sur une année. Sur un an. C'est quand même assez problématique. Ça va avoir des conséquences sur les prix que vous comme moi, on va devoir payer sur les produits. Axel, la matière première ne fait qu'exploser et de monter. On lui a trouvé comme alibi l'inflation. On lui trouve aussi comme alibi le réchauffement climatique et aussi le Covid, avec cette résurgence de demande par rapport à l'offre. Bon, tu crois à ça, toi ? Est-ce que tu crois que c'est véritablement seulement ce problème-là ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Ces problématiques que vous avez évoquées sont réelles, mais elles ne sont certainement pas uniques dans ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup d'autres choses que nous on ne maîtrise pas. Et surtout que les grosses sociétés ont besoin de garder en garde, puisque voilà, c'est quand même on parle quand même du chiffre d'affaires de plusieurs grosses sociétés, de plusieurs multinationales. Donc c'est vrai que c'est pas normal que les prix aillent aussi haut et surtout aussi vite. Donc après, à quoi c'est dû? Je peux pas vous répondre. Axel, je vais te donner deux informations. Peut-être que tu l'as lu dans la presse ce matin, parce que celle-là, je n'ai pas été la chercher très loin. Elle est passée un petit peu partout. Est-ce que tu as entendu le discours de Michel-Édouard Leclerc ? Celui, effectivement, qui est patron. Il est en train d'expliquer à tout le monde qu'il fallait non pas s'attendre aux 2 ou 3% d'inflation, mais plutôt à 5. Et quand on te parle de 5, c'est pas 5, c'est à mon avis plutôt 10. On sait que cette inflation, c'est un cercle qui est très mauvais. On va en parler tout à l'heure, je crois que tu as prévu un édito là-dessus. Cette inflation est mauvaise, elle est cachée, elle est dissimulée. Pour revenir à ce qui nous intéresse, quant aux matières premières, il est bien question, et surtout sur les commodities, pour les gars qui font du trading depuis au moins aussi longtemps que moi, voire même moins, peu importe, les commodities ne sont régies que par une seule chose, pas par deux, une seule chose. L'établissement des prix des commodities, matières premières, côté la plupart du temps, aussi bioté, mais aussi sur d'autres places. On parle bien sûr des énergies, du pétrole, de l'électricité, du gaz naturel qui est en train d'exploser. Tiens, d'ailleurs, tu as prévu de nous parler de Gazprom ou pas ce soir ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est pas grave. On en parlera dans une autre émission. Gazprom, tiens, ils ont chargé les... Ils ont chargé, ça y est, ils ont du stock qui vont pouvoir envoyer du lourd, Gazprom, depuis la Russie, ce qui impose une baisse des prix, soi-disant, du gaz naturel. Il faut l'appeler le beau temps. Alors, les commodities, moi, je les ai apprises comme ça, moi, les commodities. J'ai pas appris leur histoire. Alors, c'est vrai que la météo, le légal, le transport, les embargos, tout ça, ça joue sur le prix des commodities. Mais il y a une donnée, Axel, que j'ai apprise, moi, depuis très longtemps et qui joue énormément sur le prix des commodities, c'est celle de l'offre et de la demande, et c'est surtout celle de la démographie. Ça fait flipper, ça va pas plaire à tout le monde. Mais Axel, on a un gros problème effectivement d'offre par rapport à la demande. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Ah, on a beaucoup plus de zones citadines qui sont de plus en plus bondées, donc les gens aussi se déplacent. On a beaucoup plus de bouches à nourrir. On a une Afrique qui se développe, par exemple, notamment. Et surtout des terres cultivables qui sont beaucoup moins vastes qu'avant, et aussi avec une nourriture de beaucoup moins qualitative. Donc forcément, on a plus de bouches pour moins de nourriture. Les prix sont censés monter, mais depuis des années, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. On fait plutôt une sélection des bouches à nourrir. Tu sais, le calcul mathématique entre la place pour se loger et les espaces d'agriculture, c'est spécial quand même. Je ne sais pas si tu as vu, si on prend l'exemple par exemple de la culture des légumes, ils sont en train, et ça fait quelque temps, les Chinois, de cultiver des salades qui n'ont même pas besoin d'être dans la terre. Ils ont réalisé un liquide en fait suffisamment nourrissant pour pouvoir réaliser des salades. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Axel, on est d'accord, les matières premières, elles ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain de monter. Les énergies, parce qu'on en a besoin, mais surtout l'alimentaire. Alors, écoute bien, il y a aussi une annonce qui a été faite, et on va rebondir là-dessus pour parler de la Chine tout de suite après. La semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu, mais... La semaine dernière, le gouvernement chinois, le président chinois a dit aux ressortissants chinois, les enfants, faites des réserves. Tu sais, là-bas, c'est le patriarche, hein, le côté asiatique, la culture, c'est le patriarche. Faites des réserves de nourriture, on ne sait pas ce que demain réserve. Et le problème de la nourriture, le problème de la matière première, comme tu le dis, de la bouche à nourrir, c'est que c'est pire que l'énergie. Parce que l'énergie, à la limite, qu'il n'y ait plus de bagnole, qu'il n'y ait plus de déplacement, très bien. Mais les bouches à nourrir, ce sont des conflits. Et c'est vrai que ça peut être grave, très grave, de ne plus avoir assez de matière première. Et là, on parle carrément de guerre. Et c'est ce qui risque de se passer en Chine, Axel. Tu as de l'actu là-dessus ? Sur les matières premières en Chine, non. Mais c'est vrai qu'ils ont une histoire quand même qui est toute particulière et plus récente que l'histoire occidentale au niveau des famines. Donc c'est quelque chose qui doit encore les toucher, encore être dans les mémoires, même si ceux qui sont aujourd'hui les enfants de la Chine n'ont jamais connu tout ça. Donc ils sont forcément plus sensibles. C'est vrai qu'en plus, quand tu regardes bien l'actualité du jour, c'était celle, ils ont monté des maquettes dans leur désert, les Chinois, des maquettes qui représentent des destroyers américains pour s'entraîner à tirer dessus. Ça fait froid dans le dos quand même, hein. Ça fait froid dans le dos quand on sait que... Ah ouais, parce qu'il y a l'histoire de Taïwan. Tu sais aussi que la flotte américaine circule très près des côtes chinoises. C'est flippant. La nourriture, l'énergie, ça va pas entre les Américains et les Chinois. On parle de taxes, la route effectivement de la soie, tout ça réuni. On est quand même à l'aube d'un conflit émergent quand même. Ça pourrait être terrible. Les Chinois sont des gros consommateurs avant d'être des gros producteurs. Ils mangent, les Chinois, et ils mangent de tout. Oui, et beaucoup. Ils mangent beaucoup. Ils ont mangé beaucoup de riz. Certes, le prix du riz était assez haut. Et quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi manger du blé, c'est pas débile, hein, ce que je dis, c'est très important. Le blé a explosé. Et puis après, ils ont eu de l'argent. Bah oui, parce qu'en fait, en Chine, les écarts entre les riches et les pauvres étaient relativement
très large. Et puis la Chine a créé des milliardaires, des millionnaires, et de plus en plus, puisque la mondialisation a aidé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des voitures. Et comme ils ont acheté des voitures, c'est l'acier qui a explosé. Et enfin, pour terminer, c'est eux qui sont parmi les plus gros consommateurs de produits énergétiques comme le pétrole, le gaz et ainsi de suite. Donc méfiance, non pas envers les Chinois, mais méfiance vis-à-vis des prix de ces matières premières. Axel, d'après toi, ça va continuer à monter? Bah, j'imagine que moi, je ne vois que ça, je ne vois que des prix en hausse, en tout cas à moyen terme. Mais c'est sûr qu'on peut être certain d'une chose, c'est que des prix hauts pour des matières aussi nécessaires que des denrées alimentaires. C'est pas viable. Matière vitale. C'est pas viable. Absolument. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça, en tout cas. Si vous avez un point de vue, vous pouvez y aller dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. On a Gilles qui parle du développement pharmaceutique, une vision plus drastique de la chose qui s'éloigne du trading. La farine va être en pénurie. Il me semble, Gilles, et tu pourras nous le dire, que toi, tu es sensible à l'avoine, parce que de mémoire, il me semble que tu es éleveur de chevaux et je pense que vous devez aussi le sentir dans vos élevages, ça c'est clair. De quoi on parle maintenant, Axel? Je pensais continuer un petit peu sur la Chine et parler un petit peu d'immobilier et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur Evergrande. La suite. Evergrande. Quand tu parles de la Chine, de l'immobilier, tu parles d'Evergrande. Si le mec qui parle pas d'Evergrande, il connaît rien. Mais maintenant, le problème, c'est qu'Evergrande n'est plus le seul sujet. Hein. On a quand même d'autres sociétés, d'autres gros promoteurs qui n'ont pas pu rembourser leurs obligations. En plus d'Evergrande. Ça fait beaucoup. En plus d'Evergrande. Et ça a fait exploser le cours des China Junk Bond. L'obligataire chinois. Oui, mais le haut risque, les high yield, à plus de 26% en pic. On est compte une rentabilité de 26% pour une obligation. Rappelle-nous le nom de l'oblique, c'est les bonds chinois en fait. Ouais, les China Junk Bond Yield Index. J'ai mis l'image. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir l'image de ces bonds chinois? Où ça se traite ça? Ça se traite où? À Pékin? Ça se traite sur la bourse chinoise? Shanghai? Sans aucun doute. Mais je ne suis pas sûr que les indices sont non officiels, c'est des grands regroupements. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on a des obligations qui ne sont pas uniquement des obligations de sociétés immobilières. Donc on a vraiment un marché qui est complètement drivé par les sociétés immobilières, alors qu'elles sont censées être freinées, alors que l'indice est censé être freiné par le reste. Donc c'est-à-dire qu'on se méfie non plus seulement des sociétés immobilières chinoises, mais de tout le marché. Et oui, parce que ça a forcément un impact, d'abord sur le côté bancaire, chez les prêteurs, aussi sur la crédibilité et les notes que donnent les agences de notation sur la solidité, sur la sécurité que procurent certaines sociétés. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il te plaît, Mariana, envoyée par Axel? Est-ce qu'on peut l'avoir? Et elle n'a pas ton image, Axel. Est-ce que tu peux lui envoyer rapidement? C'est le tout dernier email. C'est le tout dernier email. Toute dernière. Essaye de nous retrouver ça, s'il te plaît, qu'on puisse avoir cette image. C'est quoi? C'est l'évolution graphique, en fait, du band? Oui. Ça serait excellent. Ça serait excellent. Mariana, essaye de nous trouver ça. Alors, tu l'as, c'est bon? Allez, ça va, elle l'a retrouvée, ça y est, Mariana. Ben, il est un peu tard, tu sais qu'elle est au bureau depuis quasiment... depuis 8 heures ce matin, et on fait des grosses journées. Hein. On fait des très très grosses journées, mais on aime ça, et on a beaucoup de plaisir à le faire avec des gens comme toi, ou même les gens qui nous regardent. Alors, pour toi, pour être concret, Axel, ça touche les actions chinoises. On pense bien sûr à Alibaba, mais aussi peut-être... tout le secteur asiatique, comme la Corée, qui est super importante avec Samsung, et aussi le Japon, avec des valeurs comme Nintendo, Sony, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ces fameux marchés? Regarde-moi ce truc-là. C'est des graphiques en quoi? C'est des graphiques en daily, en monthly, en weekly, en yearly, en quoi? Je crois qu'on est sur un étalage entre 2 et 20 ans. Normalement, on remonte à 2004, si je me rappelle bien. J'ai plus le graphique en tête.
Oui, c'est ça. On est à 2010. C'est énorme. Ce qui veut dire que là, la poussée, tu nous as dit tout à l'heure, la progression est de combien ? On a piqué à 26% de rendement. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est 26% de rendement, on est d'accord ? C'est des gens qui sont rentrés, qui ont participé aux obligations. Ils ont donc tendu leur principe de gestion du risque vers l'obligataire. Ils ont pris le pognon où ? Sur les actions. Ce qui veut dire que tu as eu un marché avec des indices comme le Shanghai Index qui s'est écroulé ? J'ai eu beaucoup d'infos d'un coup, là. En fait, tu sais que nous, par exemple, et pour t'expliquer rapidement comment je travaille, le matin, si je vais sur l'action, côté risqué, je vais te regarder le DAX. T'es d'accord ? Si jamais je veux faire une compensation et avoir une gestion du risque un peu plus modulée, je vais regarder du côté du bond, puisque le bond est le côté obligataire, le DAX côté action. Est-ce qu'on a la même réaction côté chinois ? Est-ce que ceux qui ont acheté de l'obligation ont délaissé le côté action ? Ou est-ce que ça s'est équilibré et on se retrouve avec une progression de 26% sur les junk, mais à côté, sur le stock, ça n'a pas bougé ? De manière générale, le marché, qu'il soit action ou obligataire chinois, n'est pas au top de sa forme. En plus de ça, depuis le Covid et le coût climat de la Chine a pris, on reste sur des actifs risqués, qu'on soit obligataire et action. Pourquoi tu dis que c'est risqué le côté obligataire ? Parce que l'obligataire, à moins, on est d'accord, c'est de l'obligataire à rendement garanti, capé, on ne devrait pas avoir de difficultés, ou c'est de l'obligataire plutôt avec des principes de taux de rendement ouverts et puis indexé sur des bases que je ne connais pas. Mais pourquoi tu dis que c'est risqué l'obligataire ? Parce qu'on a quand même, quoi qu'il arrive, un risque d'insolvabilité. Et le grand problème qui a poussé les taux de rendement aussi haut, ça a quand même été les non-remboursements de cette semaine. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas versé l'argent aux investisseurs sur ces obligations. Ils ont donc fait une défiance par rapport à ces paiements. Il y a encore des gens qui croient sincèrement qu'Evergrande, parce que pour l'actualité d'Evergrande, ils ont livré, je crois, une vingtaine de milliers d'appartements le week-end dernier, il me semble. Est-ce que c'est suffisant pour retrouver de la confiance, ou est-ce que vraiment on attend d'avoir une contrepartie, on crée l'euphorie, on plombe toutes les actions, les gogos achètent pendant que les institutionnels vendent? Je pense que les gens sont beaucoup plus regardants qu'avant sur le marché de l'immobilier, notamment depuis 2008. C'est encore tout frais dans la tête des investisseurs. Donc je pense que les gens surréagissent, mais d'un autre côté, on est quand même sur un pays qui voit tout en grand et tout très fort. Et quand on a appris le taux d'endettement des sociétés immobilières chinoises, notamment Evergrande, Si j'ai une bêtise, vous m'arrêtez, mais je crois qu'ils avaient de la dette à hauteur de 300 milliards pour un fonds propre. Beaucoup de milliards. Ça, c'est clair. Et encore, je rigole parce que tu sais que l'actu, en fait, c'est facile. En fait, l'actu, surtout l'actu financière, on t'en donne un peu pour pas effrayer. Ce qui veut dire que quand on te balance 300 milliards, tu sais que derrière, t'en as le double. Moi, ça me fait marrer. Parce que quand t'as effectivement... En fait, c'est une véritable histoire. C'est un conte de fées, ce secteur. Entre les gens qui chamaillent pour 10 balles et ceux qui chamaillent pour des milliards, on sait que véritablement, tout est une histoire. Alors, c'est vrai que ça me fait marrer parce que pour essayer de capter l'attention des particuliers, on leur balance un peu d'indicateurs techniques dans la face en leur disant « t'inquiète, il va tout te dire ». Mais non, il faut savoir lire entre les lignes. Et ces émissions sont faites pour vous, elles vous sont offertes. Hein. Axel a eu la gentillesse d'accepter qu'elles soient en live et gratuites en clair sur YouTube. On est aussi sur Twitch et aussi sur Genius, mais Genius TV. Mais c'est vrai qu'il faut savoir lire entre les lignes. Alors toi, pour essayer de condenser et de faire un résumé de ce que tu viens de nous dire sur la Chine, ça te procure quoi comme sensation ? Ça renforce ton sentiment de vendeur, ou plutôt tu te dis on va attendre, on va regarder, on attendra effectivement le déclin chinois pour pouvoir vendre ses actifs sur les marchés européens ou américains ? J'aurais été d'avis que les sociétés chinoises trouveraient des liquidités par des apports étatiques. Malheureusement, après l'aveu de faiblesse du gouvernement américain
Orléans Brothers pour les banques en 2008. Je pense pas que la Chine interviendra quitte à semer une crise. Ce serait un aveu de faiblesse politique. Je pense que les sociétés sont toutes seules et comme on dit, chacun ses ennuis, quoi. Axel, je vais te poser une question un peu dure, mais pas dure pour toi, mais je vais te poser une question un peu terrible. Les guerres ne viennent jamais quand le marché est au plus haut. C'est pas vrai. Elles ne viennent pas quand tout est rose et que tout fonctionne super bien. Les guerres interviennent à partir du moment où il y en a un qui se sent mal, très mal, et il va essayer effectivement de créer une certaine diversion. Alors on sait que les Chinois ont vendu beaucoup de dollars, énormément de dollars, ça on le sait. Néanmoins, est-ce qu'ils n'ont pas dans l'idée, alors on spécule, rassurez-vous, vous qui êtes devant la télé, vous qui êtes devant votre téléviseur, qui nous regardez, restons calmes. Il n'est pas question d'aller acheter un casque et d'aller se planquer dans la cave. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'apercevoir que la Chine est quand même sur le fil du rasoir et serait tentée d'aller rentrer dans les dents des Américains simplement pour couvrir une crise économique qu'on connaît, puisque, je vais te donner ma sensation, c'est impossible de remonter les taux d'intérêt. Je te le dis, c'est impossible. S'ils remontent les taux d'intérêt, ils se tirent une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'ils sont endettés à des hauteurs phénoménales et que à le moindre 0,1 point de remontée, c'est une dette qui s'accroît. C'est un jeu mathématique relatif, très simple à comprendre. Si jamais tu empruntes à zéro et que tout d'un coup ta banque centrale te remonte ton taux à 0,1, tu creuses ta dette. Tu as l'impression de t'en sortir, alors qu'en définitive, tu creuses ta dette. Axel, comment on va s'en sortir ? Je tourne ça à la dérision, mais comment on va s'en sortir ? Parce que nous, on est des pions au milieu des deux. Mais en fait, on est quand même vachement dépendant d'eux, quoi. Oui, je pense que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'acheter des actions Remington et puis se coffrer chez soi. D'acheter des actions quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Des actions lesquelles ? Remington. Remington. Alors pourquoi Remington, Axel ? C'est de la bonne arme, hein, pour se défendre. Voilà. Pour défendre son blé, vu comme il coûte très cher. Alors, vous apprenez à tirer, vous achetez du Remington. Moi, c'est une marque ancienne. Hein. C'est une vieille marque et c'est souvent des fusils. Hein. Mais voilà, Smith & Wesson et compagnie, il y a des gens qui spéculent là-dessus. Allez, on change de sujet. C'est pas fait pour vous faire peur, c'est clair. Gilles, qui est très actif dans le chat, et je le remercie. Je vois pas beaucoup de messages dans le chat. Je pense que vous êtes très attentif et vous avez raison. La remontée de l'or, mais elle est pas si évidente, Gilles, la remontée de l'or. Tu regardes un peu l'or ou pas, toi, Axel ? Pas du tout. Je trouve que c'est un actif très vieillot qui a tendance à s'effacer de l'intérêt collectif, en tout cas de la nouvelle génération. Tu la vois la nouvelle génération, Gilles ? Hein ? T'as vu, tu te l'es pris dans les dents comme moi celle-là. Hein ? T'as vu le truc ? L'or, truc vieillot, pour les quadras, les quinquas, les boomers, partez avec votre or, on ne veut pas en entendre parler. Tu sais, Axel, que l'or aujourd'hui, c'est un isma. Il rigole, je viens de prendre 50 ans dans la gueule, là. Bam ! Tu sais que l'or, c'est un actif qui est très, très suivi. C'est d'abord un actif de peur. C'est un actif, effectivement, on appelle ça un produit de protection, bien évidemment. On pourrait imaginer un système de couverture basé sur l'or, mais surtout, Axel, l'or fait parler beaucoup la santé économique des pays. Un pays qui vend son or, Axel, c'est un pays qui va pas bien. Un pays qui achète de l'or, c'est un pays qui protège les siens. Ce qui veut dire que quand tu fais l'analyse géopolitique actuellement de ceux qui achètent et vendent de l'or, je peux te dire qu'en France, vous n'êtes pas bien placé, hein. Ah, vous êtes, mais alors, pas bien placé. La France doit de la thune à beaucoup de monde. Il suffit de regarder un peu au sud. Nous, on est moins loin, d'ailleurs, que vous, du continent africain. Emmanuel Macron cherche à libérer de l'or des caisses de la France. C'est une vérité quand d'autres en achètent. Tu t'intéresses un peu au mouvement, justement, d'achat et de vente de cette matière première ? Ouais, tout à fait honnête, pas trop. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mouvements depuis 2 ans, mais majoritairement grâce au Covid. Et non, je ne me suis pas intéressé autour de dire à la détention que les pays en avaient. J'ai vu que la Suisse en avait beaucoup. J'étais pas surpris. La Suisse en a beaucoup parce qu'elle le capte, ça c'est certain. Des pays qui cherchent à pousser leur économie comme la Turquie en achètent énormément. La Chine fut un moment essayait d'avaler tout ce qui traînait. Je sais pas où ils en sont. L'Inde, c'est pareil.
J'aimerais, s'il te plaît, je te tends comme ça une petite perche, si tu me l'autorises, je voudrais que tu nous parles de ces mouvements la prochaine fois. Axel, si tu décides de continuer à faire des émissions, j'aimerais bien que tu nous parles de cet or. On parle d'or physique, d'or dématérialisé. Je crois aussi, j'adore le concept de cette émission, Axel, je te jure, parce que j'ai l'impression de pouvoir tout dire, tu vois ce que je veux dire, sur des sujets sérieux. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a une matière première, ce qu'on appelle un précieux, qui est à mes yeux, en tout cas à l'aube d'une crise, mais quelque chose de propre, c'est le silver. Et j'aimerais qu'on s'intéresse au silver. Pourquoi ? Il semblerait que la COMEX, bien évidemment, c'est la place de l'échange, l'exchange du silver, en ait vendu plus que ce qu'il n'en avait. Ça serait intéressant, bien sûr, de parler de ces précieux à l'occasion d'une prochaine émission. Allez, on fait un saut de puce et on va où maintenant, Axel ? On a déjà pas mal parlé des taux d'intérêt, mais on peut continuer. Parce qu'on a eu quand même une grosse annonce de Jérôme Powell la semaine dernière qui... Il continue à caresser le marché dans le sens du poil, mais il a quand même réindiqué que la vitesse de remonter les taux serait longue et sans pression. Et le marché action en a largement bénéficié, hein, et toutes les hausses se sont multipliées. Quand je dis multipliées, c'est quand je pense à des Nvidia ou à des Tesla, qui au lieu de prendre 3% avec une nouvelle, on en prit 10. Je crois que pour Nvidia, ça a été 17 dans les jours qu'on suivit. C'est assez incroyable. Et ça a quand même conforté Christine Lagarde dans ses prédictions. J'écoute un petit peu les prédictions de Christine Lagarde. Elle parle beaucoup. Hein. Elle a parlé encore aujourd'hui. Elle parle quasiment tous les jours en ce moment. Oui, on est quand même dans des problématiques qui sont tendues. Les marchés suivent de très très près les taux d'intérêt. C'est quand même... Avec l'inflation, et je dirais même beaucoup plus que l'inflation, le sujet du moment, puisque l'inflation est déjà haute et personne ne s'en soucie, bon, en tout cas pas moindre mesure, les marchés avancent à grands pas, et la seule chose qu'on attend, et la seule chose pour laquelle on a de grosses oscillations, c'est les taux d'intérêt et une mise un peu ponctuée. Axel, on va y aller au culot. Est-ce que Powell peut les remonter, d'après toi ? Est-ce qu'il peut ? Oui, il peut. En théorie, il a le pouvoir. Après, est-ce qu'il le peut d'un point de vue de son image, avec toutes les questions on s'est posé la question de est-ce qu'il est trop laxiste alors que ça, entre guillemets, sa dauphine pourrait être encore plus laxiste. J'ai plus le nom, c'est une sénatrice qui sera peut-être nommée en février. Mais moi, j'ai peut-être fait que c'est un coup d'audace pour vous. Je pense que les taux remonteront et que le marché action s'écrasera. 2022, c'est ce qu'il a dit en tout cas. A priori, pas avant 2022, c'est ce qu'il a dit. Mais Axel, compte tenu du fait que mécaniquement, si jamais il remonte les taux d'intérêt, il sait qu'il va faire crasher les actions, c'est évident. Il sait aussi qu'il va creuser la dette américaine. On rappelle d'ailleurs que le président américain réclame au Congrès une augmentation de la dette. Tu as des chiffres ou pas d'ailleurs à nous donner là-dessus, sur l'augmentation de la dette qui est... C'est quelques milliards, il y avait 14 milliards réclamés avant la fin de l'année. Et en 2022, ils en réclament encore pas mal de milliards. Donc, tout cet argent, il va falloir rembourser. Si tu augmentes les taux d'intérêt, c'est antinomique. Alors, tu augmentes les taux d'intérêt pour le côté inflationnaire, là on fait un peu de macro-écho, mais alors, pour réduire la cadence, parce que les riches sont ultra riches, ceux qui ne foutent rien ont aussi du pognon, tout le monde dépense à tort et à travers, c'est une folie. D'ailleurs, on dépense tellement, ah mais Luc, t'es dégueulasse, il y a des gens qui crèvent la dalle. Ils crèvent la dalle, certes, il y en a qui crèvent la dalle, je te l'accorde, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de basket pour Noël, t'as même pas pu acheter la PlayStation l'année dernière, et tu pourras pas l'acheter non plus cette année. Il n'y a plus rien. Nike, Puma, Adidas, ils savent qu'ils ne pourront pas livrer. Ça ne sert à rien, ne te jette pas dessus, ils ne pourront pas. Les microprocesseurs, les semi-conducteurs, ils n'arrivent pas à fournir. Et d'ailleurs,
J'aimerais préciser que la plupart des défections de stock proviennent justement de Taïwan. Il n'y aurait pas anguille sourage là dans l'histoire, parce qu'on sait que la SAP vient soit de Taïwan ou du Bangladesh. C'est Taïwan qui pose problème apparemment actuellement. Il y a quand même un sacré truc qui est en train de couler. Vous voyez, j'aime bien ce côté un peu... Il y a un truc en dessous là, tu vois, entre la Chine, Taïwan, les Américains, les taux d'intérêt, tout ça, l'offre, la demande. Il y a un truc, j'aimerais bien vous faire gamberger un peu pour que vous puissiez demain aborder à la machine à café autre chose que effectivement TPMP, bien que cette émission elle mérite d'exister et que je critique pas du tout Hanouna, mais en tout cas je voudrais qu'on puisse arriver sur de l'information claire qui ne l'est pas au préalable, mais sur lequel on peut dire mais attends, clairement on va quand même dans le rouge. Axel, la fin de l'année, ça va peut-être pas être des guirlandes et du sapin partout, on risque de tomber très fort sur les actions. Axel, le risque est là. J'y compte bien. Absolument. Non mais oui, je suis assez d'accord avec vous, mais si on regarde un horizon plus lointain, c'est pas, on va dans les murs des deux côtés. Si on a, c'est pour ça que j'ose imaginer que ce sera moins T'as violent si on remonte raison. Les taux d'intérêt. Mmh. T'as parfaitement raison. Vas-y, je t'écoute. On se prend un mur du très violent d'un côté et on se casse les dents si on monte les taux d'intérêt, et on se prendra un mur, je peux même pas imaginer un navire sur des dizaines et des dizaines d'années si on les remonte pas et qu'on continue à aller dans le sens vers lequel on se dirige actuellement. Moi, j'ai très peur d'un conflit. Je te le dis, j'ai très, très peur d'un conflit. C'est un conflit qui pourrait être terrible. On le voit bien, l'Est-Ouest, hein, cherchez pas, vous êtes au centre. Quand il y a du dommage collatéral, c'est au centre. Donc, ça sera l'Est-Ouest, ça c'est certain. Côté Pacifique, ça pourrait être le cas. Côté Atlantique, c'est un peu plus délicat. Ce que je veux dire, simplement, si jamais on monte les taux d'intérêt, on s'enfonce. Si on ne les remonte pas, on s'enfonce. Qu'est-ce qui va nous sauver? Le Bitcoin? Est-ce que tu nous as prévu un petit sujet sur la crypto, Alex? Pas cette semaine, il me semble pas. Mais on pourra en reparler la semaine prochaine à l'occasion des plus hauts. Ça sera intéressant. Pourquoi pas, je note. Ça sera intéressant qu'on parle, mais pas comme la plupart des médias qui disent encore ce matin, écoute bien, il semblerait qu'une grande salle, on va pas la nommer, de cinéma, hein, des grandes salles de cinéma américaines, autorise le Shiba pour dire je t'aime. Ça me rappelle d'ailleurs une publicité pour de la bouffe pour animaux il y a quelques temps. Dans ces salles, tu sais combien cote le Shiba? T'es prêt? Je vais te le donner en temps réel, tu vas te marrer. T'imagines être une grosse société, multinationale ou en tout cas même nationale, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je voudrais récupérer ma souris si ça m'est possible. Est-ce que je peux la récupérer? Sinon, c'est pas grave. Ça cote 0,000000019. T'imagines les caisses enregistreuses? C'est impossible. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Alors, oui, on en parlera, s'il te plaît, de la crypto-monnaie, de la techno, de la crypto et de l'avenir, du futur. Parce que Musk, dont on parlait au début, y croit énormément. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? Ou est-ce qu'il nous raconte encore une salade? Maybe. Un dernier sujet, peut-être, Axel? On en avait encore plusieurs abordés, mais vous pouvez choisir si vous en voulez en particulier. On pouvait aborder, j'aimerais bien parler de Crédit Suisse. Crédit Suisse, la banque, un plan de restructuration. La oui. Banque Crédit Suisse, parce que c'est quand même banque et finance quand même cette émission. Alors on t'écoute. Crédit Suisse a proposé son plan de restructuration tout récemment, et il va changer ses cibles, notamment en ciblant les grandes fortunes. Ils dégagent les retail, c'est ça? Ils vont pas dégager, ils vont recibler, allouer plus de. Ils vont investir dans ce type d'activité. En même temps, ils sont très bien placés, ils sont au centre de l'Europe, et puis ils bossent très bien avec les Américains. C'est notamment pour faire suite aux nombreux événements face auxquels se sont retrouvés Crédit Suisse. Je pense notamment à Archegos, qui est seul. Ça a quand même représenté une perte de 5,5 milliards de dollars. Et aussi, c'est des scandales plus minimes, mais tout aussi impactants pour l'image, comme les prix frauduleux au Mozambique et les répressions des réculateurs face aux affaires Greensill notamment. C'est une bonne banque, Crédit Suisse, ou pas? Alors, je ne parle pas en termes de retail. On va parler un petit peu de leur décision, Axel, de
Moi, excuse-moi, je vais mettre le doigt dessus. Hein. J'ai lu l'article, comme toi, tu as dû le lire. Crédit Suisse ne veut plus avoir à gérer des comptes. Sauf ceux qui dépasseraient plusieurs millions de dollars. Ils veulent que ça. Mais ça dénote peut-être la fin, parce que ce n'est pas les premiers. Souviens-toi, la HSBC. On a entendu parler de la HSBC qui avait le même projet. Maintenant, le Crédit Suisse, ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas au moins plusieurs dizaines de millions de dollars sur ton compte, tu n'auras plus de banque. C'est l'avènement, à ce moment-là, de la cryptocurrencies. Qu'est-ce que tu penses de leur décision? Est-ce qu'ils sont à fond dans le profit? Ils n'en ont plus rien à foutre des petits? Ou alors ils se disent, c'est Crédit Suisse, il faut quand même pas déconner. On est une banque d'affaires, une banque reconnue, une banque effectivement avec un prestige. On n'a pas envie des petits. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, du prestige, je trouve qu'ils n'en ont plus... énormément. Plus grand volume. Ils en ont plus beaucoup. On garde les résultats du troisième trimestre qui sont en chute de 21%. Après, voilà, ça fait suite au scandale, aux différents scandales. Mais aussi, voilà, ils étaient quand même second numéro 2 mondial dans le prime brokerage, devant JP Morgan, devant Morgan Stanley. Et aujourd'hui, ils sont inexistants. Ils ont abandonné ce genre d'activité. Ça a été un enchaînement de mauvaises décisions. Je pense que Crédit Suisse finira comme Yahoo à l'époque où il avait l'occasion de racheter Google. T'es dur là quand même. Tu nous remets du Yahoo vers Google. Et oui, Yahoo à l'époque c'était non. S'ils avaient su. C'est le numéro 1. S'ils avaient su, ça serait autre chose. Pour toi, Crédit Suisse, affaire à suivre, c'est pas véritablement. C'est pas fait pour redorer leur image. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme politique? Est-ce que tu as une idée de ce qu'ils vont faire et pourquoi ils le font comme ça? Est-ce que c'est une recherche de profit maximum et ils n'ont plus rien à faire de ce qui plombe leur haut de bilan ou leur bas de bilan? Ou est-ce qu'ils cherchent simplement le principe d'avoir justement cette image d'être quasi inaccessible, sauf par les plus riches de ce monde? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Premièrement, ça rassure les actionnaires. Ça rassure les actionnaires de savoir que les clients sont moins mouvants, parce qu'un client riche est beaucoup moins mouvant d'une banque à l'autre. C'est vrai, il est beaucoup plus fidèle, c'est vrai. C'est ça. Et puis surtout, toutes les activités un peu tricky comme le prime brokerage et la finance pure et dure, elles ont été écartées. Donc ça permet déjà jouer sur une image de luxe, ce qui fonctionne aujourd'hui, et puis surtout limiter l'activité. C'est quand on a, c'est peut-être bête comme ça, mais quand on a 150 000 clients face à 2 millions, on peut réduire les charges, compresser les charges et du coup augmenter les bénéfices d'exploitation. Je pense que sur le long terme, c'est un petit peu la vision, surtout qui vont aussi s'adonner au conseil aux entreprises. C'est l'époque. Il faut m'aider là parce que. Tu nous dis qu'ils cessent le brokerage. Bon, j'imagine que leurs opérations de trading pour le compte de tiers n'étaient pas forcément florissantes. Mais ils vont gérer comment? Parce que une banque d'affaires comme celle-ci, une banque effectivement haut de gamme comme celle-ci, tu as bien des asset managers. Le pognon, ils vont bien quand même le faire tourner. Comment ils vont rémunérer leurs clients extrêmement riches? Comment une banque d'affaires comme celle-ci, comment une banque qui a beaucoup d'argent, ou en tout cas des clients qui disposent beaucoup d'argent comme celle-ci, comment elle va faire pour essayer de rémunérer ses clients? Je sais pas si on s'était bien compris, c'est juste le prime brokerage qu'ils ont supprimé. Premier niveau. Donc je pense qu'ils vont continuer à bosser avec des prime brokers comme leurs anciens concurrents, etc. Et surtout, ils ont un objectif du coup d'avoir des actifs sous gestion à hauteur de 1000 milliards de francs suisses. J'arrive pas à avoir la représentation de ce que ça vaut en euros ou en dollars d'ici 2024. Et tout ça issu du coup des comptes de des participations et des investissements de leur clientèle fortunée. Parce que les fortunés, ce n'est pas des gens qui sont très agressifs en termes de profil de clients, c'est plutôt que des gens qui cherchent à consolider leur fortune. Ils n'ont pas besoin d'argent particulièrement, mais ils cherchent un break-even suffisamment haut pour couvrir fiscalité et ainsi de suite, et bien sûr érosion de l'argent à travers l'inflation et tout ce qu'on veut. Donc il faut quand même rémunérer ces gens-là, ce qui veut dire qu'ils vont disposer d'une manne financière importante, mais ils ont intérêt à être bons, sinon ils vont se faire fracasser. Et tu disais dans ton énoncé, si j'ai bien compris, qu'ils allaient faire appel à des ex-concurrents pour trouver du produit, en tout cas acheter comme quoi, de l'OPCVM. Sur quoi ils agissent ces gens-là? De l'ETF, de l'OPCVM, sur quoi ils sont?
Alors, ça, j'en ai aucune idée. Je pense qu'eux-mêmes gèrent leurs fonds. C'est quand même une grosse institution. Eux-mêmes gèrent leurs fonds. Donc, c'est possible que ce soit des fonds ouverts ou des mandats. Par contre, c'est vrai que ça, c'est pas une information qui est écrite. Mais évidemment, comme ils ne sont plus prime brokers, en tout cas, s'ils ont vocation à plus être prime brokers, ils vont forcément devoir passer par un autre prime. Et forcément, ce sera un de leurs autres concurrents. Et aujourd'hui, les plus fiables, ce sont les Américains. Donc, notamment JP Morgan et Morgan Stanley. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion, toi, vis-à-vis de cette politique du Crédit Suisse qui veut simplement concentrer son activité sur ceux qui disposent plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions? T'en tires quoi, toi, comme conclusion? Moi, ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, lorsque les temps sont durs, qui réaxent leur stratégie vers un public plus fortuné. C'est pas forcément économique ce que je vais dire, mais moi, ça me fait peur vis-à-vis des gens qui sont de la haute classe moyenne, de la classe moyenne, etc. Ils se retrouvent sans avoir de choix. Et du coup, si on n'a pas le choix, on n'a pas la liberté. Et c'est en même temps un gain court terme et moyen terme, puisqu'on consolide, comme vous disiez, les comptes, il y a moins de mouvement, ils sont plus fidèles, moins volatiles, mais en même temps, l'image que la population a de cette banque, c'est l'inaccessibilité. Et Crédit Suisse, qui est quand même une institution connue et reconnue à travers le monde, sera de moins en moins connue et reconnue. Que les gens ne connaîtront plus, n'auront plus accès à ces services, n'auront plus accès à rien. C'est un point de vue personnel. Hein. J'ai un autre raisonnement. Est-ce que justement la politique prise par Crédit Suisse, qui est à peu près la même par les banques de retail qu'on connaît, certaines françaises d'ailleurs rigolent avec ça, néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils ne vont pas justement faire l'avènement de la crypto-monnaie? Je pense, tu sais, à des valeurs comme Wirecard, le système de Wirecard, avec le scandale qu'on sait en Allemagne, qui a fait tomber Wirecard de manière colossale, qui néanmoins dispose encore d'une technologie qui est la sienne. Est-ce que ça fait pas l'avènement, justement, de tous ces petits portefeuilles électroniques? Les Allemands sont très forts avec ces N26 et toutes ces banques en ligne. Est-ce que, justement, les particuliers vont pas se dire ras-le-bol maintenant des banques telles qu'on les connaît de manière traditionnelle? On va aller chercher, un, vers les portefeuilles électroniques qui ne sont pas vraiment des banques, mais qui sont des portefeuilles, et deux, on va charger en crypto. Ça risque pas de booster un petit peu, justement? Alors, il y aurait deux poids, deux mesures. Les très riches, et puis les mecs, parce que les très riches, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plusieurs milliards. On parle plus de millions, hein, c'est des milliards. Et puis les autres. Je pense que ça serait plus vers ça qu'on tendrait. Je suis assez d'accord. C'est vrai que de toute manière, les capitaux, le jeu est un jeu à somme nulle. Donc, si les capitaux ne peuvent plus aller à un endroit, ils vont se diriger vers un autre. Et c'est vrai que les crypto-monnaies et toutes ces. Je pense que vous ne parlez pas forcément des néobanques, mais tous ces portefeuilles virtuels sont les bonnes cibles pour cette tranche qui sera ignorée du coup de grosses institutions comme Crédit Suisse. C'est pour ça que j'ai l'œil toujours branché du côté de Wirecard à Francfort d'ailleurs, qui a été rabaissé puisqu'on passe effectivement d'une grosse place comme Berlin qui nous emmène après à Francfort, en tout cas rétrogradé Francfort qui m'intéresse énormément au même titre que certaines penny stocks. Le sujet suivant s'il te plaît, Axel, merci d'être avec nous, merci de rester avec nous. Il en reste beaucoup des sujets ou pas, Axel? Donc on peut abréger si vous voulez. Oui, on va faire le dernier parce que l'heure tourne et on en gardera justement pour une prochaine émission, sûrement la semaine prochaine, en tout cas si tu le veux bien. Je ne sais pas si vous appréciez le ton de l'émission, mais moi je l'aime beaucoup. Je souhaite en tout cas de tout cœur que vous puissiez participer beaucoup plus pour donner votre point de vue dans le chat. Le dernier sujet donc, Axel, fais le choix. Tiens, dis-nous ce que tu as prévu, on va te dire ce qui peut être intéressant à nos yeux. Je voulais vous parler des grands programmes de rachat d'actions par les bancaires et les financières, ou les pilules Merck qui ont été approuvées au Royaume-Uni. Pourquoi pas l'exclusion de l'armement des lignes d'investissement du KPS, le fonds norvégien, et sinon la vente des actions Amazon par Jeff Bezos. Eh ben, moi, je veux bien qu'on fasse la vente des actions de Jeff Bezos et je veux bien qu'on fasse la première, le rachat d'actions effectivement et d'actifs. La fin du tapering, apparemment, c'est pas tout à fait fini. Tu nous parles de ça?
Oui, et ben écoutez, Jeff Bezos, il a lancé un gros programme de rachat d'actions pour 2 milliards et on a quand même une on en avait parlé au téléphone tous les deux entre le 3 et le 5 novembre, il a réalloué les gains de ses ventes pour son fonds pour la planète, le Earth Fund, transformer le système alimentaire mondial, restaurer la nature, et donc du coup ça fait pour plus de 8,8 milliards d'actions Amazon vendues cette année. Il est quand même délicat, 8,8 milliards d'actions Amazon vendues, effectivement, enfin en tout cas pour cette valeur, c'est 8, voilà, c'est ça, 8,8 milliards de dollars d'actions Amazon vendues par Jeff Bezos lui-même pour réallouer ça sur des fonds ou des valeurs destinées à l'environnement. Pour toi, ça représente quoi, ce mouvement-là ? C'est un mouvement quand même qui a fait baisser un petit peu Amazon. Est-ce que c'est un mouvement qui est fait pour durer dans le temps et Amazon va perdre de sa superbe ? Amazon qui est une des valeurs qui cote plus de 3 000 $ et qui n'a jamais été splittée alors que les autres l'ont été. Est-ce que véritablement cette valeur va continuer à progresser ou est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser là où lui, il a réinjecté son argent ? Je pense que Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui est bien plus qu'intelligent. Il a déployé son activité dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait qu'Amazon, 40% de son chiffre d'affaires, c'est drainé par le cloud et AWS, par exemple. Il arrive à donner une image de sa société qui est à la fois présente dans la vie des gens. Je suis moi-même client d'Amazon chaque semaine, par exemple. En même temps, il arrive à gérer du cash en B2B, et ça à travers le monde, en se rendant indispensable aux plus grandes sociétés du monde, comme on avait pu le voir avec le Pentagone, par exemple. Je pense que cette société, elle va aller loin, encore loin, mais que aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a des autres, il a des besoins en termes de communication, il a besoin de réhonorer son image, puisqu'il est passé de première fortune mondiale quasi indétrônable durant les dernières années, face à un Musk qui communique tout le temps, qui a la gâchette facile sur Twitter, qui n'hésite pas à le troller sur Twitter devant tout le monde, et qui, en plus de ça, lui est passé devant en lui mettant une avance sur l'espace. On ne pouvait pas imaginer. Sur l'espace, tu veux dire, en particulier ? Bah, il y a eu l'espace, et puis il y a aussi une avance en termes de fortune. Je pense que tout ça en même temps, ça a poussé, ça pousse Bezos à s'intéresser à des thématiques autres que l'entrepreneuriat à 100%. Il n'a jamais beaucoup communiqué avant ça, Jeff Bezos. Le voir intervenir à la COP26, par exemple, c'est quelque chose d'inhabituel, et surtout s'investir. Il a sûrement déjà intervenu dans des meetings de ce type, mais il n'a jamais pris acte d'une promesse comme celle d'allouer 2 milliards de dollars sur un fonds pour la planète. Avec lui, son fonds, lui-même a pollué. Son fonds s'appelle Bezos Earth Fund. Apparemment, c'est ce qui a marqué sur l'image que tu as eu la gentillesse de nous envoyer. Je voudrais qu'on réfléchisse sur un truc, Axel, si tu me le permets. Tu parles beaucoup de Musk et de Bezos. Je ne sais pas te dire qui est le plus malin des deux, mais quand tu analyses la situation, t'en as un qui n'a presque plus rien à foutre de la Terre. Il a compris que de toute façon, il fallait aller là-haut. C'est Musk. Il n'en a plus rien à foutre de la Terre. Excuse-moi, je le considère comme ça. Pour moi, c'est un mec qui sait que de toute façon, on a tellement fait de dégâts sur Terre qu'il faudra monter, et il le dit lui-même, une communauté là-haut. Et il l'a prévu. Il parle de Mars, son SpaceX tourne bien. Là, il y a encore le Français qui est revenu sur Terre et qui vient de la Station Spatiale Internationale et qui est revenu sans encombre. Et puis, tu as Bezos qui lui dit non, il faut qu'on a des acquis, protégeons l'humanité et protégeons bien évidemment la nature de façon à pouvoir en faire quelque chose qui fonctionne bien. Et il y a même encore un autre, le patron de Microsoft, tu vois de qui je veux parler, qui lui dit on est beaucoup trop nombreux sur Terre, quoi qu'on fasse, de toute façon,
on crèvera la dalle. Alors, on ne sait plus vers quel sein se vouer, on ne sait plus vers lequel se tourner. C'est quoi ton opinion, toi ? On est trop nombreux sur Terre, il faut absolument préserver la planète et continuer à la protéger et à lutter contre le réchauffement climatique et toutes ces choses-là. Ou alors, on n'en a plus rien à foutre. Comme dirait l'autre, on s'en bat les cacahuètes, on s'en va là-haut et terminé. On laisse la Terre pour ceux qui sont les descendants, d'après François Hollande, et nous, on va monter une communauté de riches bourgeois là-haut. Ça fait penser à des films, tiens, d'ailleurs. C'est quoi ton opinion là-dessus ? Pour être tout à fait honnête, j'essaye de pas trop me poser ce genre de questions, parce que c'est quelque chose qui fait peur. Ce qui est certain, c'est que les deux se battent sur des axes qui sont quand même semblables. Là où Bezos alloue un fonds pour la planète, Elon Musk traque les activités écologiques avec SolarCity, avec les Hyperloop, avec Tesla, qui participent, en tout cas en théorie, en tout cas avant du marketing, à limiter les émissions. Sur dessus de l'iceberg, t'as raison. Néanmoins, pour faire de l'électrique, il faut aussi polluer. Hein, ça, tu sais pas en faire sans bien ça. Bien sûr, mais le lithium, etc., c'est quand même des matières qui sont ultra polluantes et ultra complexes à fabriquer. Et en même temps, en donnant tous les deux cette image de je peux protéger la Terre, il veut montrer qu'ils sont aussi capables de s'affranchir de tout ça. Et là où Musk a directement posé ses objectifs d'aller sur Mars, d'y aller et de ne pas revenir, d'y emmener du monde, de coloniser, Bezos y aller sur un terrain plus récréatif, mais je serais pas surpris que les objectifs soient hyper semblables et qu'ils se mènent une guerre entre eux, mais sur les mêmes terrains. Il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait un qui ait une avance certaine sur l'autre. Et je pense que c'est avant tout une histoire de cash. C'est quand même excellent de pouvoir mettre en tête de liste quand même tous ces gens-là. Il ne faut pas oublier Branson, hein, Virgin Galactic, qui fait partie du peloton de tête. J'ai du mal ce soir. Il faut aussi savoir que Virgin Galactic est la seule société qui est cotée en bourse concernant l'espace. Donc c'est super intéressant. Ce dernier sujet, donc tu nous parlais d'achat d'actifs, faut-il des banques ? Les banques achètent de l'action d'après toi ? Il me semble avoir compris au contraire que tous les asset managers ne savent plus acheter quoi que ce soit. Ils ont le trouillomètre au maximum. On flippe, Axel, de cette hausse complètement ubuesque. 4 bougies, 40 ticks sur le DAX et tu montes, tu reprends 120 ticks en l'espace d'une demi-heure. Ceux qui connaissent le DAX depuis très longtemps, c'est quasiment du jamais vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors les banques achètent de l'action, Axel ? Ils continuent à en acheter ? Elles rachètent leurs propres actions. Ah, c'est pas pareil. Elles ont des grands programmes de rachat d'actions. Vous n'êtes pas sans savoir, après avoir suivi la saison des résultats, que les banques, notamment françaises, elles ont généré beaucoup de cash. Je peux penser à BNP Paribas, qui est aujourd'hui la plus grande banque française avec environ 70-80 milliards de capitalisation, a alloué 900 millions pour racheter ses propres actions. C'est beaucoup. Axel, c'est beaucoup 900 millions, parce que 900 millions. Ça peut paraître beaucoup. Aujourd'hui, moi, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit c'est colossal. Aujourd'hui, me parlez plus de millions, parlez moins de milliards. C'est beaucoup pour une banque de racheter 900 millions d'actions ? Pour une banque française qui a été affaiblie par les lourdes réglementations depuis 2008, qui font plus poids face à leurs homologues américaines et asiatiques, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et que c'est une bonne stratégie, puisque ça leur permet de réduire la dilution du pouvoir, ça leur permet de aussi petit à petit voir le bout du tunnel et pourquoi pas évoquer, je spécule, hein, mais pourquoi pas évoquer un repassage hors cote. Ça peut être intéressant. Je sais que, voilà, par exemple, le groupe BPCE qui sont hors cote depuis longtemps, je ne sais même plus s'ils ont déjà été en cote, peut-être cette année. Mais des groupes comme ça, on recherche aujourd'hui plus la souplesse. La stabilité, la stabilité plutôt que la volatilité, en fait. C'est ça. Et c'est aussi d'un point de vue souplesse décisionnelle, on est quand même sur des possibilités beaucoup plus importantes lorsqu'on est en hors-cote, qu'on n'a pas à s'affranchir des obligations transparentes. Une AG avec beaucoup d'actionnaires et tout ça, bien sûr. C'est ça. Et puis surtout, comme vous le disiez très très bien, on,
on minimise le stress que subissent les titres de notre propre société, et ça c'est un luxe que, qu'aujourd'hui l'image, l'image que représente la bourse et, le, et la cote de, d'une société n'arrive plus à couvrir. C'est une excellente analyse. C'est toujours très beau, mais... C'est une excellente analyse. Bravo en tout cas pour ce consensus. C'est une excellente analyse. Tous les chefs d'entreprise le savent. Celles, bien sûr, ceux qui ont une société qui est cotée en bourse, même ceux qui ont dans leur bord plusieurs dizaines d'associés, d'actionnaires. La plupart du temps, c'est un foutoir épouvantable quand chacun y met son grain de sel. Alors qu'en définitive, quand tu veux trouver une cohésion de groupe et que tu veux véritablement limiter le risque des mouvements trop violents, le risque de volatilité est beaucoup moindre quand tu as effectivement un cercle fermé. Bravo pour cette analyse. Alors quels sont ceux qui font ce genre de pratique? Tu as cité donc tout à l'heure la Banque française. Oui, je me suis principalement concentré sur la France puisque la saison des résultats était vraiment impressionnante pour les banquières françaises. Mais on a aussi par exemple la banque d'investissement de BPCE qui était cotée, Natixis, qui a été retirée de la cote il y a moins de 2-3 mois. Banque d'affaires, Natixis, ça hein. Banque d'affaires. Ouais. Oui, donc c'est super intéressant. Il faut aussi mettre en antenne que tout ça, tous ces programmes de rachat, ils font aussi suite à ce dont on parlait avant, les taux d'intérêt bas. Pourquoi faire appel au financement externe quand on peut emprunter de l'argent gratuitement ou pas cher? C'est une suite logique à cette politique monétaire. Bien sûr, tu n'as pas besoin de fonds. Tu vas emprunter à taux zéro, c'est mieux que d'avoir des mecs effectivement qui injectent et pour lesquels effectivement tu vas devoir rendre des comptes. Ça me paraît assez évident. Donc les banques françaises le font, grand mouvement de rachat d'actions, de titres, de façon à éviter d'avoir trop de monde au board et avoir des décisions qui sont beaucoup plus cohérentes. Axel, cette émission prend fin. Je te félicite. C'est ta première émission avec nous. Je me suis pas trompé sur toi. Je trouve que tu as une cohésion d'esprit. Je fais un peu des compliments parce que je regardais ce garçon depuis quelque temps. On communique très peu, mais je regardais ce garçon de loin depuis quelque temps. J'admire tous ceux qui, en plus, à son âge, arrivent à avoir un consensus intelligent de la finance. Être intelligent, c'est pas boire ce qu'on te raconte, mais c'est d'avoir effectivement ta propre opinion. Bravo Axel, et c'est sincère. On te retrouve la semaine prochaine. J'espère, oui. Il n'y a pas de raison, à moins que les Chinois tirent vraiment sur les Américains. Et là, c'est Internet qui va faillir. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis dans cette émission. Un ton un petit peu différent. Je ne vous cache pas que mon souhait le plus... élevé, ça serait d'avoir une émission dans laquelle vous seriez nombreux à interagir de façon à avoir cette liberté d'antenne et de ton, et en tout cas éviter d'avoir tous ces gens qui viennent nous polluer. Ce serait excellent de pouvoir avoir cette émission où chacun puisse annoncer, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart d'entre vous depuis le début de l'émission. Je pense effectivement, ça y est, j'ai croqué son nom, c'est pas très grave, notre éleveur de chevaux que j'aime beaucoup d'ailleurs, on se contacte aussi régulièrement sur Facebook, ça me reviendra. Et oui, il est tard, hein. Moi aussi je suis debout depuis 5h30 ce matin. La finance et l'économie n'attend pas, on se lève très tôt. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence demain à 8h30 dans Hello Trader. C'est une grosse journée pour nous demain, Axel et ceux qui nous regardaient, puisque demain, ce sont d'abord l'ouverture des actions européennes, ensuite on va parler des actions, ensuite on va parler de la cryptocurrencies, ensuite on va faire l'open américain, on va faire aussi WTI trading de façon à trader l'énergie du pétrole. En tout cas, on sait déjà que Axel aura pour mission la semaine prochaine de nous parler de crypto, d'or. De l'or, de la crypto, des précieux, et effectivement de nous dire tout ce qui ne se dit pas dans les grands médias. Une excellente soirée à toi Axel, merci beaucoup pour ta présence et ta disponibilité, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés, je suis sûr que cette émission va faire un tabac, un buzz, je compte sur vous. Allez-y, vous pouvez partager, ça vous a été offert par Genius et Axel. Take care, tchuss, enjoy, à demain, ciao, bye bye. We'll be right back.